puisque nous sommes à 6 jours de la finale de la Coupe du Monde France-Nouvelle-Zélande et on file tout de suite à Auckland. Mais on rejoint Wilfried Templier, l'un de nos envoyés spéciaux. Wilfried, hier au lendemain donc, de la qualification des Bleus pour cette finale de Coupe du Monde, Marc Yvremont a sermonné ses joueurs. Ah oui, et puis il nous l'a dit en conférence de presse, ça a surpris tout le monde. Marc Yvremont n'était pas, mais vraiment pas content. En cause, une poignée de joueurs qui ont bravé l'interdit, qui ont bravé les consignes, qui étaient de ne pas sortir, de ne pas fêter cette victoire face aux Gallois. Et certains se sont rendus sur le front de mer d'Auckland pour aller boire quelques verres. Les consignes du coach, ça se respecte. Écoutez Marc Yvremont. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinés, désobéissants, égoïstes parfois. Toujours à se plaindre, toujours à râler, et qui me l'est cassé depuis 4 ans. Mais c'est un détail, c'est pas très grave. C'est pas les quelques clopes qui vont se fumer en cachette, les 2-3 bières qu'ils vont boire dans la semaine, ou le dessert qu'ils vont prendre en plus qui va les handicaper pour la préparation de la finale. On n'en est plus là aujourd'hui. Et pour se remettre de tout ça, ils ont eu aujourd'hui une séance de récupération. Ils déjeunent cet après-midi ensemble à l'extérieur d'Auckland. Le début de semaine va être plutôt léger. Il faut reprendre des forces. France-Nouvelle-Zélande, finale de Coupe du Monde, jour J-6. Merci beaucoup Wilfried Templier à Auckland, donc avec Jean-Marc Brio.